Voilà, très bien, tout marche. Alors, il était une fois bébé Mario et Yoshi. Donc, je vais lire l'introduction. Enfin, ça va peut-être mettre 15 ans à s'afficher. Peu avant l'aube, une cigogne se hâte. Dans le ciel encore obscur. Alors, je crois que je ne l'ai pas vu en entier l'intro. Dans son baluchon sont nichés deux jumeaux. J'ai failli mal lire nicher, quoi. Soudain, aussi vif que l'éclair, une ombre traverse les nuages. Oh putain, ça c'est une grosse police là. Je veux ces enfants. Ah, c'est Kamek. Et hop, au passage, elle s'empare du petit colis. Mais un des bébés commence à tomber. C'est assez joli quand même, hein. Pendant ce temps, sur l'île de Yoshi, beaucoup de Yoshi vivent ici et l'un d'eux entame une petite balade. Quoi donc? Un bébé tombe sur son dos. Oui, c'est bien ça, Totor. Mais tout va bien, il n'est pas blessé. C'est quoi qui est tombé là à côté? Et quelque chose choit à ses côtés. On dirait un hot dog ou je sais pas quoi. Ah non, c'est une carte. On dirait une carte. Serait-ce à la cigogne? C'est un peu chiant quand c'est coupé en deux. Yoshi est perplexe et décide d'en parler à ses amis. Je sais pas ce qui est marqué en haut de la carte là. Et des... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits Kamek, je crois. C'est Kamek, le magicien retors du royaume Koopa. Enfin, ça doit porter un nom, je sais plus. Il a réalisé qu'il manque un bébé et ordonne à ses sbires acolytes de le retrouver. Quant à Yoshi, il rejoint ses amis inconscients. Putain, c'est long l'intro, hein. Du drame qui se prépare. Les acolytes, eux, ratissent l'île et recherchent l'autre bébé. Est-ce que les jumeaux pourront enfin découvrir? Le visage de leurs parents? Grand mystère, ça. Ok, bon. Alors l'intro était un peu longue, je la connaissais pas l'intro en entier. Alors pour vous dire, ce jeu, je l'ai jamais fait en entier. J'y ai joué un tout petit peu en émulation auparavant, je l'ai pas connu à l'époque parce que j'avais pas de Super Nintendo et j'avais pas non plus de potes qui l'avaient. Enfin, ce jeu. Donc bah, ça va être un peu... Alors je connais peut-être le premier monde, un peu le deuxième. Je crois que j'avais fait un peu le deuxième, mais je connais pas le reste, quoi. Donc je sais que je vais sans doute galérer. Alors pour ce let's play, alors déjà je vais parler un peu, donc il s'agit de Super Mario World 2, si on veut, c'est son autre titre, ils ont appelé Yoshi's Island, qui est sorti en 95, fait par Nintendo, et qui est sorti donc sur Super Nintendo, un peu plus tard sur GBA, sous le nom de Super Mario Advance 3. Et donc bah, je compte faire le let's play, enfin le jeu en entier. Je vais essayer à 100%, mais pour faire le 100%, enfin pour ceux qui connaissent, il faut récupérer énormément de choses dans chaque niveau. Il faut faire un score de 100 en récupérant plein de choses. Cette chose, je vais pas pouvoir le faire en live, ça va être très compliqué, sinon il faudrait que je refasse plein de fois les mêmes niveaux, ce qui va être très très chiant pour vous. Donc ce que je compte faire, c'est faire au max, hein, quand je vais jouer là. Et entre deux sessions de live, parce que je vais pas tout faire en un live, hein, faut pas non plus rêver.
entre chaque session, bah, je ferai à 100% les niveaux, parce qu'en fait, l'intérêt de faire 100% de chaque niveau d'un monde, ça va débloquer deux extras. Donc les extras, ça peut être un niveau ou un bonus stage. Et donc, voilà, ça peut, je pense que je ferai ainsi, ça sera plus cool, mieux pour vous, et enfin pour tout le monde, quoi. Parce que sinon, je peux passer, je sais pas, peut-être des heures sur un niveau pour essayer d'avoir le 100%. Je pense que ça peut être chiant, quoi. Voilà, en tout cas au niveau de l'idée, alors ça, c'était mon petit fichier d'avant, je vais l'effacer, enfin j'aurais pu prendre un autre, c'était pour mes tests. Voilà, alors le jeu est en français, puisque j'ai pris la version PAL du jeu, mais attention, on n'est pas en 50 Hz, il a été patché pour qu'il soit en 60 Hz. Voilà, il y a ça qui existe sur le net, où on peut patcher des jeux PAL pour les mettre en NTSC. Et c'était le cas pour ce Yoshi Island et j'ai pas hésité. Comme ça au moins je garde le français, je m'emmerde pas à traduire, et je garde également le 60 FPS. Alors j'ai fait gaffe, hein, j'ai bien fait attention. Parce que ça m'emmerdait de jouer en 50 Hz. Enfin je le sentais quoi, c'était ouais, c'est moyen. Et le coup en anglais, avec toute l'intro en anglais, ça me faisait chier de traduire. Alors voici l'île où vivent tous les Yoshi. Actuellement, c'est la panique car un bébé est tombé du ciel. Il réalise que le bébé semble savoir où il veut aller. C'est connu, les jumeaux sont télépathiques. Yoshi décide donc de relayer le bébé. L'aventure de Yoshi et du bébé va débuter. Alors oui, il y a pas mal de jeux. Je pourrais mettre le lien, je mettrai le lien, je pense, sur la rediff YouTube, pour ceux que ça intéresse. Je mettrai le lien, ouais, pour ceux qui voudraient donc transformer les ROM PAL en NTSC. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Et salut la petite pelle. Comment ça va? Lorsqu'un ennemi vous touche, bébé est désarçonné et les étoiles du compteur diminuent à toute allure. S'il atteint zéro, les acolytes de Kamek kidnapperont bébé. Récupérez-le avant que le compteur remonte doucement à 10. Dépêchez-vous ensuite de le passer au prochain Yoshi, plus vous avez d'étoiles, plus vous êtes en sécurité. Bon, on va avoir vachement de tutos au début en même temps, c'est bien pour moi. Mais bon, je sais quand même comment ça se joue normalement. Bon, il y aura sans doute des surprises plus tard, que j'ignore. Après, j'ai déjà vu des vidéos hein, de ce jeu, j'ai déjà vu des joueurs y jouer, tout ça, mais bon, j'ai pas retenu quoi, quand on y joue pas, on retient pas forcément. Mais non, il y a plein de monde que je connais pas, je sais pas trop quoi. En tout cas, je sais juste voilà, qu'on peut bouffer les ennemis pour faire des œufs. Donc les œufs, ensuite, on pourra les lancer. On peut planer et puis faire l'attaque rodéo quoi. C'est voilà ce que je sais quoi. Salut Starpy. Donc voilà, on arrive sur le premier onglet en haut, premier monde, avec donc 8 niveaux. Et en bas, les deux extras, ça c'est si on fait les 100% de chaque niveau, on débloquera les deux points d'interrogation. Et donc il y a 6 mondes en tout, de 8 niveaux, voilà. C'est parti. Donc, faire et lancer des œufs. Donc c'est un peu tuto au début. D'ailleurs ces blocs-là, c'est comme dans Mario World, c'est un peu les informations. Faites des œufs, donc là, avec Y, avaler un ennemi, puis appuyer sur bas pour pondre un œuf. Donc après, si normalement, si j'appuie sur B, voilà, hop, je peux balancer les œufs. Alors, je dis B, c'est la manette Xbox, hein. Moi je connais très mal la manette Super NES. C'est que c'est l'inverse, mais bon, je vais pas faire le transcodage quoi. Collecter 5 fleurs et gagner un 1-up. Elles font aussi partie du score atteint. Voilà, donc dans chaque niveau, il y aura 5 fleurs, comme on a vu, à récolter si on veut faire le 100%. Et d'autres choses. Alors, salut Wakanda. J'avais du mal avec ce jeu avant à cause du design un peu enfantin. En fait, dans Speedrun, je l'ai trouvé très bon. Ah non, mais c'est vrai que ça fait. C'est assez spécial hein, comme. Rendu. Moi j'aime beaucoup ce côté crayonné. Enfin c'est magnifique même. Bonne chance pour le 100%, j'ai fait le jeu il y a environ 2-3 ans, j'ai pas eu le courage de le faire car c'est vraiment difficile. Ouais bah ça j'imagine, c'est pour ça qu'en live ça me paraît dur quoi. Et salut Poil de Vite, comment tu vas? Alors lancer un œuf, appuyez sur A pour déplacer le viseur au moment opportun. Appuyez encore sur A pour lancer un œuf. Dès que vous trouvez un point d'interrogation, touchez-le avec un œuf pour annuler votre tir, appuyez sur B. Donc ça aussi. Je suis au courant. Alors, oui, on peut donc. On appuie sur B, il y a le viseur qui se met en place. Et si on fait une gâchette, on peut stopper le viseur. Ça, c'est cool. Ensuite, il faut appuyer. Là, ça crée un petit escalier. Et salut, Spaskila. Merci beaucoup pour ton resub. Regarde Ninja, Canif et Roulade.
Bah non, c'est Yoshi-san, le ninja. Alors voilà, là je trouve un autre... Merde. Un autre... Une autre fleur. Attends, ça je le prends parce que c'est important là, les étoiles là qui viennent de tomber. Ça fait partie également des choses à collecter pour le 100%. Donc il faut avoir 30 étoiles, mais également des pièces qui sont un peu entourées de rouge. Comme ici, hop, ça forme une petite pièce rouge. Et ça, il y en a 20, si je dis pas de bêtises, à collecter. De toute façon, si je fais start, on a les objectifs, comme c'est marqué. Et donc, faut faire 100 points si on a tout, quoi. Voilà, bon, je pense que, de toute façon, vous connaissiez un peu le principe du jeu. Bon, je le dis quand même en cas où il y en a, comme moi, qui connaît pas trop, quoi. Alors, on va aller en bas, donc là, je balance les œufs. Alors, attends que je lise. Ça vient toi, qu'est-ce que j'ai pensé ce jeu ado avec Megaman X, ça doit être le jeu qui a le plus tourné sur ma Super NES. Ouais, non, mais c'est clair, il a l'air vraiment bon, quoi. Et mais merci beaucoup à Maroc pour ton resub. Merci beaucoup. Alors, attends, je lis ça. J'ai encore dû louper un message, je vais voir ça. Ah oui, à Maroc, au fait, t'as reçu... Enfin, t'as gagné le sub raffle. Hein. Tu pourras voir ça. Ce rocher n'est pas votre adversaire, poussez-le pour le faire rouler et balayer les ennemis. Dès qu'il s'immobilise, montez sur le bord pour le faire repartir. Il peut être gênant, mais faites-en bon usage. Alors, toi, tu me donnes la pièce, déjà. Donc, il y a ça également, ces blocs-là, qui permettent de générer des œufs quand on en a plus. Ah, putain, il y a ces fleurs-là aussi. Alors, ces fleurs-là, faut essayer de balancer voilà, un œuf avec rebond. Donc, il y a un petit côté billard. Ça, je sais pas si ça pond tout le temps des étoiles. Alors ici, il va falloir que j'utilise donc ce rocher. Bon, je vais peut-être pas prendre toutes les pièces. Par contre, je vais prendre tout le... me charger au max là pour les œufs. Je vais surtout me concentrer sur les pièces un peu rouges. Là, par exemple, là, il y en a deux. Là. Merde, arrête-toi. Ça, c'est important, ça. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des bonus cachés, si on saute à des endroits, je crois qu'il y a des nuages qui apparaissent. Des choses comme ça quoi. Voilà, hop. Encore une fleur. Donc là, ça, on revient là, si je vais là, ça sert à rien. Alors ça, je peux pas le bouffer, hein. Je suis vraiment obligé de balancer un œuf pour dégager les plantes. Alors on peut faire haut et attaque aussi pour mettre son viseur. Peut le fixer verticalement. Enfin, merci beaucoup. Desperados 3, ouais, c'était ça. Je te filerai la clé après le live ou demain. En général, je le fais le lendemain parce que j'y pense pas après la fin du live. Il me reste deux étoiles là à choper. On peut aller dedans là. Putain, ça me rappelle Super Mario Bros 2, ça. Exactement le même design. Je suis à combien là? Il me manque une fleur, deux pièces rouges et deux étoiles. Je sais pas si je peux aller au-dessus. Ah d'accord, mais c'est un générateur de... d'ennemis. Hein. Putain, je crois que c'est des pièces rouges. Ils étaient à moitié rouges. Ouais, je sais pas. Donc on verra. Je sais que le jeu est dur. Quand même, il est quand même réputé pour être dur. Enfin, je sais pas. Je verrai bien. On verra bien ce que ça donne, quoi. C'était la... Ah voilà, là, il y a un secret. Là. Ok, donc là, j'ai les 30 étoiles. Alors, le problème avec les étoiles, c'est que si on se fait toucher, on en perd. Parce qu'en fait, c'est un timer. Les 30 là, étoiles, en fait, ça représente le timer. Et donc, plus on laisse le bébé s'envoler, plus le temps défile et on perd les étoiles. Quoi. Dans chaque niveau, 20 pièces rouges sont dissimulées parmi les jaunes. Elles vous seront comptabilisées dès que vous atteindrez l'anneau goal. Donc là, j'ai tout. On est bon. Ouais, donc là, ça devait me balancer des étoiles, mais vu que je suis à fond, c'est les pièces à la place. Ah, puis il y a ça, alors ça, je sais pas s'il y a moyen de gagner à chaque fois. C'est un peu au pif, hein, je pense. Mais il y a peut-être une technique. Ah, bah, je suis dessus.
Ouais, c'est ça, Starpiece. Tu veux faire le 100%, faut avoir tout ça là, tout ce qui est affiché. Les 30 étoiles, les 20 pièces et les fleurs. Ah, peut-être que quand on fait le 100%, on a d'office le bonus stage. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Alors, gratter 3 cases. Un Mario, 2. Ok, bon, on verra. Ah ouais, c'est au pif quoi. Enfin, de toute façon. Bon, écoute, j'ai un Mario déjà. J'imagine si je tombe sur autre chose. Ah non, je vais juste. Si je tombe sur un Kamex. Ah, est-ce que là c'est fini là? Ah non, je peux vraiment gratter 3 cases. Il n'y a pas de sortie si on tombe pas sur Mario. Bon, c'est pas mal de Mario. Et merci. Alors j'essaie de vous lire à chaque fois. Bon là ça va, ça parle pas trop donc c'est bon. Puis je vais finir un peu de balancer toutes les infos que je voulais. Donc je peux me concentrer. Enfin sur le chat et sur le jeu quoi. Merde, j'ai pas eu le temps de lire le titre. C'était Garo ou je sais pas quoi. Ah oui putain, je me rappelle de ça. Ça c'est bourrin ça. Eh ben il devait tomber là normalement, non? Ah je l'ai dépop en fait. Ah, ça, c'est... ah mais c'est marrant. Oh putain. Attends, merde. Il m'attaque toujours au même endroit là ou... Enfin, c'est pas clair. Donne-moi les étoiles. Ah non, c'est les fleurs. Putain, t'as à peine le temps de réagir quand même. Ça arrive super vite. Ah, alors attends. Hop. Qu'est-ce que j'ai eu? Et ça, normalement, avec l'attaque rodéo, voilà, on peut planter ça. Alors, je sais pas si ça sert. Putain, ce son, quoi. Non, ça sert pas à grand-chose. Ça, c'est un checkpoint, non? Traversez cet anneau, ainsi vous redémarrez de ce point si vous perdez avant la fin du niveau. Fleurs remplissent juste certains points de fin de niveau. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Mais en vrai, les mini-jeux ne servent pas à grand-chose. D'accord. Très bien. Les toutous. Vous vous souvenez, appuyer sur Y pour avaler l'ennemi, bah pour prendre. Ok, donc là ils font un petit rappel. Ah oui, parce que là. Là on peut casser cette. Attends, du coup je peux monter ou pas? On va faire ça. Ah, il y a une histoire de couleur aussi avec les œufs, non? Quand ça rebondit, ça change de couleur. Et si ça pète sur une certaine couleur, ça donne un bonus ou un autre. C'est un truc comme ça, je crois. Ça peut te donner une pièce ou voire même une étoile. Là, l'œuf était bleu, pas bleu, jaune. Attends, je vais faire le point. L'animation de la langue. Mais je suis à fond là. Ah oui, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Putain, je crois que j'en avais très peu. Ok. Je peux peut-être pas y aller tout de suite. Bon, on va prendre le bon chemin, ça se trouve là. Je sais pas, j'explore un peu quand même, hein, puisque bon. Faut un peu chercher les. Ce qu'il faut pour l'autre 100%. Putain, comment on y va là? Ah, il y avait un truc là. Quoi? Vraiment? Faut y aller. Attends. Ça me paraît chaud. Ah, je l'ai eu. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais. Ça se trouve, je pouvais l'avoir plus loin. Ah, si vous faire des trucs touchy comme ça, ça va être bien, quoi. Les œufs peuvent être effectivement donner des bonus, mais j'ai oublié ce que ça donne. Vert, œuf vert, puis jaune, puis rouge. Ça, c'est l'ordre. Appuyez sur Start pour afficher le score. Ok, on l'a fait. Utilisez les objets gagnés dans le bonus. Hein? Choisissez un objet avec gauche droite. Il dit avec A pour plus de détails, consultez la notice. Ah, j'ai pas d'objet là. Ah oui, en bas. Putain, alors ça, j'ai complètement zappé qu'il y avait. J'ai pas dû faire gaffe. Ça me disait rien là, les objets. Après, bon, vu le peu de trucs que j'ai vu. Vous pouvez vous transformer en hélicoptère en touchant la bulle adéquate. Atteindrez-vous le bloc Yoshi en suivant les flèches et les pièces. Alors ça, je l'ai déjà vu. Je crois que c'est bizarre à manier ça, non? Ah non, c'est juste avec la croix directionnelle. Le souvenir, c'est limité dans le temps. Attends, là, il y a une entrée, là. Ah, d'accord.
Vite. C'est clair que c'est excellent la gueule de Ico. Attends. Est-ce que je peux reprendre? Ah d'accord, tu reviens là si... Donc il y a sans doute un truc de fin à toucher quoi. Je trouve il y a des bonus en dessous là. Ah bah pour avoir la fleur par exemple, c'était avec ça quoi. Ah le con. Ah bah ça va, ça va. Ça ne tue pas. Il y a rien là. Je prends un peu trop de temps là peut-être. Salut Peter Lab, comment ça va? Tiens au fait Totor, j'ai fait le DLC ce matin là de Escape Academy. Donc c'est bon. Je pourrais suivre quand tu le feras. Il était très bien. Hein. Évidemment plus court que le jeu d'origine, putain je me prends tout dans la gueule. Après c'est pas bien grave là, ça m'handicape pas là de. Savoir. C'était chaud, ouais. C'était. J'ai utilisé deux fois les indices. D'ailleurs, on peut annuler les indices. Hein. En fait, quand tu utilises l'indice, tu fais retour juste après et ça te dit pas la solution. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Putain, merde. Bon, je crois que. Attends, à moins que je puisse aller là. Non. Je pense qu'il y a une pièce rouge que j'arrive pas à choper là. En fait, il faut que je me speed. Bon, vas-y, je vais le faire. Donc j'y suis. Non, le con. Tu peux pas sauter plus haut que ça. C'est mort. Bon bah tant pis, hein, je le ferai. J'ai l'impression qu'il y a un truc. On peut regarder en dessous. Est-ce qu'on peut regarder en dessous? Avec les gâchettes, je peux pas. Parce que là, il y a une entrée là en dessous. Là. Oh vas-y. Je suis revenu au début. Attends, je suis où? Ouais. Oh, abusé, putain, ils me l'ont pas compté. J'ai plus d'œufs. Ah, je peux remonter là. Et salut, Brinator, merci beaucoup pour le resub. Comment tu vas? Putain, mais je suis obligé de refaire tout le chemin. En même temps, là, c'est cool. Là, je vais avoir le. Je vais avoir normalement l'hélico. L'hélico, je vais essayer de pas faire le con là cette fois. J'essaie de foncer là. Je pouvais pas foncer. Donc faut juste que j'arrive à éviter les ennemis. Bah plutôt nickel là. Écoute, hein, je m'amuse bien là sur ce Yoshi Island pour l'instant. Je sais pas comment ça va se passer par la suite. Oh putain. Vite. Ok. J'ai bien fait. Ah merde, attends, faut que je chope le. Il est où? Ah, il est là! Merde. Putain, j'ai passé une heure sur ce niveau, quoi! Mais là, c'est bon, on a tout. Après, voilà, c'est mon côté explorateur, là. Et je vois des trucs dans les coins et tout, je vais voir ce que c'est, quoi. Mais c'est bon, à moins qu'il y ait un truc là. Non, mais de toute façon, j'ai plus rien là en projectile. Ah merde. Oh oui, attends, viens là toi. Vite. Oh bah putain, heureusement. Merde, par contre, ça passe. Ok, bon, apparemment j'ai toutes les étoiles. J'ai dû avoir toutes les fleurs aussi. Et il y a eu le petit son là, ça je m'en rappelle. Pour les pièces rouges. Normalement j'ai tout. Eh ben j'ai de la chance, hein. Mais ça c'est peut-être le 100% qui me garantit ça, quoi. Il n'y a aucun niveau casse-burne, certains secrets sont chauds à trouver. Ouais. Ça, j'en doute pas, quoi. Ah bah c'est encore le grattage, là. Ouais, c'est parti, hein. Et on va faire dans l'ordre. Salut Wignard. Ah bah pas de problème, merci d'avoir fait un petit coucou. Passera le salut à Locos. Passez une bonne soirée en tout cas. Et puis bah merci
dans le petit passage. C'est quoi, c'est plus difficile par contre. Ah, les niveaux secrets, oui. Mais rien d'insurmontable. On est loin de la Star Road de Mario World. Ah bah merci, donc Locos. Attends, je crois que si... Ouais, si on va sur score, on voit... Ouais, voilà, on voit à peu près où on en est, quoi, si jamais on sait plus ce qu'on a fait. Grotte des mini piranhas. C'est intriguant, ça. On se fait accueillir direct. Oh putain, mais... Donc ça marche pas quand t'es à bout portant. Bon, voilà, c'est mort, hein, j'ai plus rien pour lancer. Fait agresser. On peut pas rester dessus. Alors ça me dit quoi ça? Attaque rodéo. Ah bah c'est là qu'on l'apprend. Donc on saute, on appuie sur bas. Donc on fait son attaque rodéo. C'est très rigolo mais surtout utile. Par exemple pour cette caisse. Ah oui bien. Alors ça par contre il m'en faut là des projectiles. Ça ces merdes là ça saute pas verticalement. Ah alors là. Je crois que t'as des bonus hein, si t'enfonces. Ah, bah il y a carrément des pièces rouges, donc oui, vaut mieux le faire quoi. Ah, l'OST est bien, hein. C'est vrai que les musiques de la grotte est cool. Ah, ça saute pas verticalement, ça, je confonds avec un autre Mario alors. Il y a deux façons de lancer un œuf, la sage et l'osé. Ou changer non, j'ai envie de garder mon. Mais je pense qu'il parle de ça, et puis si on appuie sur la gâchette, ça bloque. Et donc on pourrait inverser la façon de faire, je pense. Mais non, je vais garder ce gameplay-là. Comme un dessin animé, c'est apaisant à regarder. Ta vidéo sur Arcade Paradise, cet après-midi, j'ai raté ce live. Et tu es vraiment sympa avec tout plein de jeux dedans. Ouais, c'est clair. Ah bah, il y a un sacré mélange, une grosse compile de vieux jeux, quoi. C'est plaisant à montrer quoi. Ok, donc là. J'aime bien aussi là, les cristaux là, en premier plan, c'est quand même super joli quoi. Le jeu est quand même vraiment vraiment joli quoi. Alors oui, si on se met sur le bord normalement, voilà, on enclenche. Enfin, c'est ce qu'il disait dans le tuto, mais façon également de lancer le rocher quoi. Ah oui, ça donne des étoiles aussi, le checkpoint. Je vais les zapper, ça. Donc ça, je prends. Il y a un secret, là, qui est caché par le cristal, là, en premier plan. Je me méfie, hein. On peut également ramasser... J'avais ça dans la bouche. On peut également ramasser les fleurs ou autres... Enfin, bah, les pièces, je l'ai fait depuis un moment, mais en lançant un œuf dessus, quoi. Donc ça fait popper les ennemis, là. Oh putain, attends. Il y a un truc, là. Ça, déjà. Ah, c'était pour les étoiles. Je sais pas s'il y a des niveaux secrets par contre. S'il y a des accès pour aller à des niveaux secrets un peu comme dans Mario World quoi. Vu la carte, ça a pas l'air, mais je sais pas. Je me trompe peut-être. Ça c'est. Merde! Ah putain! Ça fait popper les ennemis ça. Bon bah voilà, vous avez vu ce que ça fait quand on se fait toucher. Ouais, ça c'est... C'est là où les ennemis apparaissent. Et salut Beyond, comment ça va? Appui ou maintenu. Ça part quand tu lâches. Ouais, je préfère réappuyer là. Ok, ouais, c'est ça en fait ce qu'il proposait. Ah par contre, Totor pour Arcade Paradise. Bah du coup, tu sais, j'ai montré la fin du jeu, donc j'avais toute la salle d'arcade, tout ça. Mais tu dois te taper toute la laverie au début. Et ça sera peut-être... C'est peut-être moins fun, quoi. Enfin, c'est rigolo au début, mais ça dure un sacré moment. Et c'est un peu relou sur la fin. Ok, donc ça, c'est une vie. En train de chercher des étoiles, vu que je me suis fait toucher, là. Ah,
conneries, ce que je vais faire. Bon, un playpot d'un switch comme ça. Ah oui, d'accord. Petit bonus stage là. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de pièces rouges là. Elle peut tomber là, la barre là. Je pense que c'est bon là. D'ennemis dedans, dire. Ah merde, attends, j'aimerais bien. Putain, merde. C'est plus rien pour lancer, vite. Voilà. Attends, ça va être chiant à monter, hein. C'est vachement haut. Peut-être pas. Attends. Ouais, non, c'est bon, ça passe. Ah, j'ai toutes les pièces rouges. Et apparemment toutes les fleurs. Par contre, les étoiles, je sais pas. Les étoiles, il m'en manque deux. Ça c'est chiant quoi, parce que quand tu te fais toucher, bah c'est un peu... c'est dead quoi. Alors, faudrait qu'il me fasse apparaître un truc là, mais... Oh putain, puis là j'ai plus rien à lancer. Ah bah c'est mort. C'est mort pour le sang. Pas grave, je le referai donc de mon côté. Hein. Ah, tu as toujours fait en maintenant la touche quoi. Ouais, je préfère en double tap, un peu comme le golf, quoi. Putain, mais je me tape tout le temps ce bonus stage, quoi. Y a que ça comme bonus stage. Attends, je vais accélérer, là, parce que c'est vrai qu'il met 15 ans à gratter, là. Ok, un Mario. Et deux Mario. Ah, un petit château. C'est dommage pour le 1-3, mais bon. Ça va être le problème des étoiles, ça. Quand tu te fais toucher, c'est presque dead, quoi. Pourquoi il y a un conduit, là? Ah, cool. J'avais un œuf jaune. Donc, ouais, d'accord, ça les bloque comme ça. Il y a pas de bonus. Oh putain. Ah, c'est vrai que j'ai zappé ça. Ce qui est bien, c'est que le Yoshi il court tout seul quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour courir vite. J'ai l'impression qu'il est direct à fond dès le début quoi. Ça se shoot ça. Ah bien. Bien. Bon, bien ça. Reviens. Fausse 3D en action. Ouais, mais ça fait son effet. Mais je crois que dans ce Yoshi Island, il y a le... comment s'appelle, le Super FX 2, c'est ça, qui est utilisé. Donc c'est peut-être pour ces effets-là ou autre chose. Ah, corrigez-moi hein, si je me trompe sur le... le terme. Un mini-jeu par monde. Ah, tu crois que c'est ça? Peut-être bien. Ça, je pourrais pas dire ça. Alors, ici. Ah, il manque juste une étoile. Attends, c'est bizarre ce truc-là. Mais comment t'y vas, là? Enfin, je veux dire, ok, je viens de péter ça, mais... m'a servi à quoi? Ouais, peut-être une technique pour voler, je sais pas. Là, je sais pas, hein, je connais pas. Ok, c'est bon, j'ai la 30e. Juste pas se faire toucher maintenant, mais bon, il y a un boss. Hein. Ok, bon. Salut la globule, comment tu vas? Là, je peux pas y aller là. Reviens en arrière. Quoi qu'il y a en arrière. Ah oui, il y a encore un conduit là. Ouais, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire là.
sert à quoi? Mais non, je viens de là. Ah, là, je viens de là. C'est, je suis tombé, là, je crois. Bah là, je peux rien faire, là. Et après, c'était quoi qu'il fallait faire? Fallait taper dans un bloc en particulier? Enfin, je sais pas, j'ai un peu sauté partout. Tiens, là, en haut, là, il y a un chemin, là. Je l'ai eu, mais il y a peut-être autre chose. Oh putain, oh, j'ai glissé. Ouais, que dalle. Je crois que c'est bon là. Pas de clé. Oh, Tudju. Salut Tudju, merci pour le resub. Comment ça va? Là, ça se shoot pas ça? Si. Ok, donc ça je m'en rappelais. Putain. Ah, ça one shot! Ah merde! Ok, la lave ça one shot. Remarque comme dans les Mario quoi. Contient bien le super FX de D'accord comme Doom et Winter Gold pour ses effets en vrai 3D. Ah bah c'est là, c'est Starpy. Donc si je pète ça, comment ça se passe après là? Comment je monte? Bah, j'ai l'impression que c'est un peu tous les mois pourri, Tudju, en ce moment. Mais bon, tant mieux. Tant mieux si ça va mieux là. Bon, si personne sait, c'est pas grave, hein, je continue quoi. Et je trouve ça curieux quoi. C'est la sortie. Donc c'est pas la peine, je continue. C'est-à-dire que je vais retomber là plus tard. Faut revenir en arrière. Attends, je suis quand même curieux hein, parce que. Ça, je peux monter dessus là? Ouais, ça se voit là qu'il y a un truc. Ah putain, ah ouais, je vais pas pouvoir. Oh merde! Si. Ah là-haut! Je l'avais pas vu celui-là. Ah, en fait, il y en a partout. Ah oui, il faut bien observer. Il n'y a pas les pièces rouges. C'est que des sous. Juste, j'ai pas envie de tomber. Ok, c'est que des pièces. Ah, c'est bizarre qu'il bloque là. Comme s'il y avait un mini-mur. C'est vraiment que des pièces quoi. Bon, bah voilà. Mystère résolu. Ah oui, c'est vrai, Totor a fait un live hier hein, sur Escape Academy. C'était vraiment bien. C'est toujours sympa de voir quelqu'un sur ce genre de jeu. Ah ouais, d'accord, mais je suis mort, mais il y a tout qu'à... y a tout à reprendre, quoi. Ouais, c'est normal. Oh, putain. Ok, j'ai toutes les pièces rouges. J'ai backseat pas tant que ça. Je l'ai un peu aidé par moment. Il y a des trucs que je me rappelais. Putain, j'ai fait me rater encore. Que je me rappelais plus. J'ai quand même laissé chercher souvent. Il y a quoi là? Bon, j'ai pas trop. Frotter contre eux si j'ai pas besoin d'étoiles. Oh, c'est un piège. Ouf. Ok, c'était la dernière fleur. Et le boss. Merde, il y avait des étoiles. Ah bah, je suis à 30. Putain, c'était pas clair. En plus, j'ai pas voulu rentrer, mais bon, c'est pas grave.
Alors, hey Yoshi, mon joli, si tu veux t'en sortir, déshabille Belixo. Je connais trois versions sur Twitter pâle avec des mages mineurs. Attends. Fait dans une boîte rouge super classique, mais pas en France. Je peux spammer là le. Non, clignote. Arrête, annule. Putain, casse-toi. C'est bon? Eh ben. Je vais me faire toucher quand même. Bon, sur le boss, je m'en rappelais. Hein. Je pense que j'ai fini le premier monde. C'est à partir du deuxième où ça va être assez flou, voire inconnu, quoi. Ok, donc ça c'est bon. Désolé du backseat, comment ça? Bon, sois pas désolé, hein, pour le coup du plafond là. Non, non, c'est cool. C'est Obélix qui a fusionné avec Kirby, c'était un peu ça, ouais. Alors, on est. Bah, ouais, c'est parti, hein. Peut-être que là, ça va devenir chaud. Plateau catastrophique. Ah, niveau à scrolling automatique. Au-delà se trouvent des plateformes qui s'écroulent si vous restez trop longtemps dessus. Prudence, donc. J'ai pas d'œuf là. Oh, c'est chaud, ouais, c'est mort. J'étais trop gourmand là. Alors, je sais pas comment ça se passe si on perd toutes nos vies. On a un game over, ok, mais si on. J'imagine il y a des continues quand même. Et où est-ce qu'on reprend quoi? Est-ce que c'est au début du monde ou juste le début du niveau? Ça compte pas le checkpoint quoi par exemple. Putain mais. En fait il est vachement lourd le Yoshi quoi. Je pensais qu'il flotterait vachement plus vite, mais en fait non quoi. Il tombe assez. Il est assez lourd quoi. Oh bah c'est très sympa ça, merci pour le soft gift, tu te jeu. Pour Starpie. Merci bien. C'est pas sûr hein, Totor. Attends, on va y aller. Comme ça là. Parce que je sais pas comment sont les mondes suivants quoi. On verra bien, ça risque d'être chaud quoi. Comment ça devient chevalier? Ah t'as encore offert un subgift? Attends bah merci beaucoup Tudu. Te ruine pas hein. Bon, là, je me concentre, là, c'est bon. Hop. On se fera plaisir, Mister X. Donne-moi ça, toi. J'ai failli rater le lancer. Hein. Attends, il me faut des œufs. Si t'arrives, tu te dis, bah, merci bien, mais. C'est trop là. Il est possédé. Voir c'est des faux subs. Ah oui, c'est vrai qu'il a cette technique. Ah merci beaucoup ouais, pour le sub gift, Monsieur Pell. Si j'ai un œuf sur moi là, donc c'est bon s'il y a un truc. Oh non, putain, ils sont sans deck. J'espère qu'il y a d'autres étoiles là. Yes, c'est bon. C'est bon, j'ai mon petit stock 2 là. Apparemment, j'ai toutes les fleurs.
Ou ça va être chaud. Non, putain. Putain, il tombe comme une pierre, son deck. Hein. Je trouve qu'il tombe, mais il est lourd, quoi. Faux sub, oui, pour excuser l'absence. Merci bien. Blanchis son argent. Ah, putain, j'ai du mal. Deux qui se sont barrés. Ah, j'ai bouffé la pièce, ok. Oh putain, ouais, là, les pièces en dessous là. Je sens que je vais pas trop les aimer. Merde. Ok, bon, je l'ai eu. Je vais attendre que ça avance bien. Heureusement que ça tombe pas vite hein, quand même ces blocs. C'est la clientèle allemande qui me rend généreux. Non, on va vraiment te poursuivre toute ta vie. Je viens de découvrir que j'ai aussi du sang suisse. La trahison. Ah ouais? Marrant que tu découvres ça comme ça. Ah bah tiens, j'ai fait un 100% mais j'ai pas eu le bonus stage, donc non. La théorie du bonus stage garanti est tombée. Tu m'as aïorisé, j'avais pas vu. Énorme les échasses. Par contre... D'accord, je peux les faire tomber. Putain, on les voit pas là avec le décor. Hein. Il y a un petit secret là, non? Ou là-haut, oui, je pense. Tuyau ou ça? On va faire ça parce que ça, on peut remonter facilement. Ah non. Merde! Ah, le con, ça se trouve. Ah putain, tu sais, ça fallait peut-être pas le péter maintenant. Bon, on voit que dalle ici. Il peut y avoir des bonus dans les tuyaux où les monstres apparaissent là. Ou c'est tout le temps vide. Alors, c'est histoire que je perde pas trop de temps là-dessus quoi. Putain, j'ai bien raté ma manip. Attends, c'est les ennemis ça, ouais. Alors voilà, il y a le temps qui remonte, ça aussi c'est un truc. Si on est en dessous de 10 secondes et qu'on arrive à récupérer le Mario, ça remonte au fur et à mesure, tout seul. Je crois que j'ai skip un gros morceau là du niveau. Oula, comment je vais faire là? Merde, dégage. On peut les repousser là. Putain. Oh, c'est passé. Ah ouais, ok, donc là faut faire baisser ça. Putain, mais ça repop insta là les ennemis quoi. De toute façon, je crois que c'est mort pour le 100% là, avec la porte à gauche. Marchez sur tous les interrupteurs que vous voyez, vous trouverez soit une entrée secrète, soit une autre surprise. Qui sait? On verra bien quoi. La mémoire, mais il n'y a rien dans ces tuyaux. D'accord, ok, bon, c'est cool. J'ai fait à 100%, je m'en souviens super mal. Ah, tu l'avais fait? D'accord. Ah, je sais pas que tu avais fait le Mario à 100%. Ça va, c'était pas trop galère, parce que moi, c'est ce que je crains. Ah oui, oui, on l'a eu ça tout à l'heure, ça a indiqué. Et là, qui s'y dit? Si transformez-vous en char à taupe, creusez et trouvez deux pièces rouges. Chut, c'est un secret. J'imagine que c'est ça la transfo là. Comment ça se manie cette merde? Ah,
de toute façon. On va y voir. Là, tout à droite. Oh putain. Ouais, c'est bon, les pièces, ça ira. Pas galéré comme sur les autres. Ok, d'accord. Ça me l'a fait, mais c'était un de mes Mario préférés. Et tu l'as eu quand t'étais jeune ou si tu l'as fait plus tard? C'est quoi que tu me disais, toi? T'accrodéo. Ah, d'accord, ici, il me faut un rappel. Quoique, je suis même pas habitué. Ah, oui, non, c'est pour sans doute les poteaux. Je crois qu'il disait ça pour les ennemis. Ça, c'est super beau. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il est beau. Attends, on voit mieux là. Par contre, je sais toujours pas si on peut. Oh merde. Attends, je peux faire ça. Putain, c'était pas super bien envoyé, mais ça passe. Ok, bon, c'est bon. Ouais, je sais pas s'il y a donc du coup un moyen de regarder en dessous de soi ou pas, quoi. Mais j'ai l'impression que non. Parce que j'ai essayé les gâchettes, tout ça, et il veut pas le faire, quoi. Ah, j'ai pas fait beaucoup de Yoshi hein, en fait, en entier hein, je parle. Hein. Enfin même en général. Le seul que j'ai fait en entier, c'est celui. J'ai pas fini sur Switch par exemple, mais j'ai fait celui sur Wii U là, le Yoshi tout en laine là. Celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais sinon Yoshi Island DS, tout ça, je connais pas quoi. Oh, il y en a un petit paquet quand même, hein, je crois. Il y en a un sur 3DS. Après, je sais pas si c'est pas une. Peut-être dire une connerie si c'est pas une version light de la version Wii U, quoi. Ah merde, j'ai raté une pièce rouge. C'est pas aussi bas, c'était peut-être la première porte là. Putain, 99 les boules, quoi. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. C'est clair que ça a changé de la Mega Drive, quoi. C'est une vraie suite sur DS. D'accord. Bon, après l'histoire, bon, c'est un peu toujours la. Quoique, non, t'as raison, c'est vrai que sur la version Wii U, même Switch, on se trimballe pas à Mario, quoi. Donc, celui sur DS, c'est peut-être toujours Mario. Enfin, Baby Mario. On chope cette merde là. Attends. On peut le choper ça ou. Ça s'envoie? Oula. Merde, non. Donne quoi, toi? Attends, mais. Comment j'y vais là? Ok. J'y croyais moyen. Ah, c'est chiant ça, non? Je crois que. Ouais, si on peut les bouler. J'aimerais monter. C'est quoi ça déjà? Ah si, ça j'ai déjà vu. La mitraillette. Ah, j'ai pas vu. Putain la vache, comment j'étais éjecté à gauche? C'est quoi ces œufs clignotants là? Ça me dit rien ça par contre. Ce niveau. Il y a une suite DS et une sur 3DS, d'accord. Puis Wii World sur Wii U. Porté sur 3DS, ah, donc ok, il y avait bien ça. Craft World sur Switch. Oui, tout en origami, non? Un peu. Enfin, je crois que c'était ça sur Switch. Enfin, tout en carton, quoi. Ouais, là, c'est le premier jeu, celui-là, avec le Baby Mario. Bon, faut que je trouve la clé de ça. Un truc spécial avec les œufs clignotants ou non? C'est bon, je peux balancer ça. Ça a l'air chelou le truc. Ouais, si je vais à droite, attends, mais faut que je trouve la clé moi. Donc, on va faire ça, ce sera fait. Ah oui. Oh putain. Eh merde. Oh putain. Je cogne dans quoi là? J'ai même pas vu dans quoi je me suis cogné quoi.
je sais pas si ça a validé là, mais... Oh merde, je vais pas faire bas. Putain, mais je suis plein d'accidents là. Ah, y'a plus rien. Bon bah tant pis, hein, le mystère des... Ça se trouve, c'était les yeux clignotants qui faisaient ouvrir la porte, j'en sais rien. C'est très bien joué ça. Bon, tant pis, on va continuer. Ah mais si, je les ai encore là, je les vois. Ouais bon, j'en sais rien. Mais la clé, je sais pas où elle est quoi. Une étoile dans un œuf clignotant. D'accord, ok. Je sais pas si c'est utile. Mais elle est planquée la clé, putain, mais c'est un truc de fou là. Faut aller super haut. De toute façon, c'est le vide en bas, on l'a vu. Je vais refaire un saut et puis. Oh putain, j'ai appuyé pourtant. Bon, c'est pas grave, je sais pas où est cette clé. Ah! C'est vrai qu'il y a ça. C'est comme dans Isaac, ça. Avec les champignons. C'est chelou là, à manier quoi. C'est quoi que tu dis Cotonou, Prout Prout? Il faut savoir que je fais la blague, souvent la blague à un ami, Roddy Golem, quand je lui annonce une vidéo, etc. Je fais souvent une vidéo de ce niveau parce que le nom me fait hurler de rire à chaque fois. Cotonou, Prout Prout. Ça, j'ai même pas fait gaffe, c'est le nom du niveau. Putain. Cassez-vous là, je veux la fleur. C'est bien parce que t'as les yeux de Yoshi aussi qui est complètement allumé quoi. Par contre ouais, il bouge bizarrement quoi. Putain, ça va pas aller en s'arrangeant. Il y en a trop quoi. C'est quand même bien fait hein, l'effet. Merde, il y avait une pièce rouge là, non? Oh putain, attends, c'est quoi ce bordel? L'ennemi avait une pièce rouge au-dessus du vide, quoi. C'est abusé. Ah, marrant ça. Et salut, David Capronia. Oh, la clé dans le carré jaune en bas. Ah merde. Bon, bah, c'est pas grave, je le ferai. Pour le 100%, quoi. Ouais, on peut faire ça. Putain. Je voulais pas sauter dans l'eau, je voulais juste me mettre au bord. Bon, tant mieux. Oh. Je t'ai vu, toi. Hein? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Oh, ça cache un secret, ça. On va voir ce qu'il y a au-dessus. On a des pièces rouges, comme quoi, c'était important ce secret, quoi. Hop, ok, super. Mais je crois que j'ai raté, de toute façon j'ai raté des choses, quoi. Salut Baboulouf. L'œuf rouge avec une étoile. L'œuf clignotant. Ah, d'accord. Ah, le clignotant, c'était une pièce rouge. Ah merde, c'est ce que j'ai balancé sur l'autre, alors. C'est pour ça qu'il y avait une pièce rouge. Ok, bon bah je comprends, c'est pas l'ennemi qui l'avait alors, ok. Putain, ça je m'y attendais pas. Non! Y'a rien sinon à part lui là. Bon bah c'est mort pour les étoiles. Et la pièce rouge, ouais, forcément, j'en ai balancé une dans le vide. Allez. J'espère qu'ils vont nous proposer un autre mini-jeu, là, quand même. J'ai pas été... Ouais, bon, voilà, il me manquait la pièce rouge qui est dans le vide, quoi. Non, ça allait, à part les étoiles, bon, bah ça, c'est...
J'ai fait toucher à la fin, quoi. Oh putain. Bon, j'accélère. Tiens, allez, celui-là. Voilà, j'aurais pas dû. Allez, on arrive donc sur la fin du premier monde, le boss. Donc c'est sûr que c'est indifférent par monde. C'est un peu con. Un peu con, ouais, l'idée, ils auraient pu varier. Ouh. Ah, 3D, là. Alors, attends. J'aimerais juste aller en dessous. Voilà. Putain, attends, comment ça marche, cette merde? C'est vrai que j'ai pas demandé, mais le son, l'image, tout ça, c'est ça va chez vous. Enfin, je pense que vous aurez gueulé depuis un moment, sinon, mais... Je le demande à chaque fois, mais j'ai oublié, là, cette fois. Donc, il y a un truc au-dessus. Là. Bon, il doit y avoir un tuyau quelque part, là. Au top. Bon, bah, parfait. Ah bah, dis. Je demandais pas mieux, quoi. De la merde, c'est de la merde là ces poissons là. Attends, il y a peut-être le. Ah oui. Oh le con. Ça je vais le stocker. Oh, il regarde en l'air. Oh putain, ça. Bah. Ah bah si, il le fait. Putain, mais tout à l'heure il voulait pas quoi. Arrête de cracher là, s'il te plaît. Pas depuis le début. Ah, c'est pour ça que c'est parfait. Nucléaire, quoi. Ah, j'ai le choix là. Bon, allez, on va prendre le plus chiant, quoi. Ok, checkpoint. T'as un gavage d'étoiles là, le checkpoint plus les nuages. On se met bien. Pas de secret. Tu dis quoi? Frapper le bloc à droite avec un œuf, les plateformes tachetées et dentelées vont basculer. Et avec l'œuf ça marche. J'imagine qu'il y a un switch pour le. Le rouge. Oh non putain, mais je me rappelle de ce con là. Ça fait pas tourner le rouge ça, ouais. Bon, on peut faire ça sinon. Ok, il y a le rouge là-haut. Petit secret là? Non. Là-dedans, ça va péter direct. Alors, si je vais à droite, il y a l'autre con, donc non, je vais pas y aller. C'est le boss là? Oula. Non, ça m'étonnerait, normalement, c'est une porte. Je crois qu'il y a l'autre con là, qui va me courser. Donc, je vais rester en haut. Ce serait une porte rouge normalement le boss. Ah oui, j'avais vu ça. Ah mais j'ai tout, d'accord. Voilà. Oh! Vite! Ouh! Merde, je l'ai vu! Je crois que c'est tout en haut! Ah putain, le con! Vite!
Non! Ah putain, et puis ouais, ça disparaît vraiment, quoi. Oh, fait chier, tant pis. Les sont plus longs que la plupart des Mario. Je sais pas, je suis pas vraiment sûr. Après, ouais, la progression est peut-être plus lente puisque bon, on cherche un peu. On fonce pas comme dans un, ouais, comme dans un Mario, quoi. Ouais, c'est clair, quoi. Je pense que c'est ça, quoi. Mais vois-tu pas que le bébé désire aller au château de Bowser? Si tu veux, je peux l'amener. Bah, lui, déjà, je me rappelle pas. Slime géant, là. Oui, c'est bien, ça. Ils sautent en même temps. Bon, ça va. Merci. Ah, la Keyblade. On y revient, hein, cette serrure. C'est clair, je la vois partout la serrure maintenant. Donc voilà, bah du coup je peux pas débloquer les deux extras. Mais donc je ferai ça de mon côté, puis au prochain. Non, je crois que ça revenait sur l'écran titre. Au prochain live, on fera les extras, quoi. Entre-temps, je débloquerai les niveaux à 100%. Et puis voilà. On va faire ainsi, hein, parce que. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pas d'intérêt à refaire les niveaux en live, enfin c'est pas rigolo quoi. Bah, merci encore Tuju pour Plume, un abonnement pour Plume, ça fera plaisir. Monde 2, bah, écoutez, on y va. Je pense qu'on va faire deux mondes ce soir, puis après on passera à la suite. Enfin je sais pas, on verra quoi. Tout dépend le temps que je vais mettre, mais je pense que le temps que j'ai mis pour le premier, ça risque d'être un peu plus long. Il y a les Koopas là. On peut pas les. D'accord, on peut pas les bouffer par contre les Koopas. Bon, faut les sortir de leur carapace peut-être. Ils sont bien faits en tout cas. Toucher une super étoile, bébé remplacera leur Yoshi et deviendra Mario Costaud. Touchez les étoiles l'une après l'autre et vous continuerez d'être Mario costaud. Pour tomber doucement, maintenez B. Alors B c'est A, hein, oui. Enfoncé. Pour accélérer, appuyez sur Y. Y ça reste Y ou c'est X. Oh, je sais plus. Oh, j'en ai marre de ces boutons de la Super NES, quoi. C'est déjà fini? Mais je me suis chié ou. J'ai l'impression que j'ai fait de la merde là, non? Attendez, je vais recommencer parce que y a comme une fleur à gagner. Mais. Faut pas que je plane alors. Est-ce qu'ils m'ont embrouillé à appuyer sur X? Attends, comment je peux aller plus vite? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que faut pas que je fasse le saut là au début. Ah mais est-ce qu'il y a une étoile là? Prends! J'avais pas vu cette étoile. Lâche, cours. Saute. Ok, bon on est bon là. C'est. J'ai quand même vérifié, mais je crois pas qu'il y avait de pièces rouges. Attends, je vais juste voir la gueule là. On tombe. Non, y a pas de pièces rouges là-dedans. Là.
c'est le Cap Silver. T'es mis à Yoshi. Yoshi me tue. Metsu. Metsu. C'est ce que t'as voulu dire. C'est très bon. Attends, je vais voir. Ah non, mais la carapace, on s'en fout. Quoique là. Putain. Ok, on va essayer comme ça. Ça passera jamais, ça. Faut que je trouve une carapace. Alors de là, je l'envoie, là. D'accord. Yoshimitsu Tekken. Ah ouais. Ah ouais, mais bon, ouais. Versus Fighting, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances. Mais ouais, je... ok, je vois la blague. Encore, c'est quoi? Ah oui, non, c'est un pote, ça. Putain, il m'a fait flipper, quoi. Ce gros toutou s'appelle Milou. Il est mignon, hein. Montez dessus, il prendra la direction indiquée par Yoshi. Mais faut que je monte. Attends, j'ai l'impression que c'est la bonne direction. Attends, alors je monte dessus. Non, viens. Ok, donc... Ah non, ça a l'air d'être le bon chemin, là. Alors, je comprends rien. Du coup, faut prendre le tuyau ou faut aller là? Putain, tourne pas la tête quand j'atterris. Ça m'intrigue, moi, ce tuyau, maintenant. Il y a plusieurs chemins. Mais attends, c'est quoi ça? Bon, j'ai l'impression... Je sais pas si j'ai pris le bon chemin ou si c'est un chemin alternatif. Alors, du coup, c'est encore rip pour tout ce qu'il y a collecté, quoi. Pour l'instant, je vois pas de pièces rouges, en tout cas. Il y a rien. Un Yoshi en peluche ou le chien en peluche? Tu parles en vrai? Non, j'ai rien de ça. J'ai le chien de Spelunky en peluche, par contre. Oulala, là là, attends, il y a peut-être des trucs là au-dessus. Ah. Parce que ça, c'est quand ça explose. Ouais, fais attention, quoi. Tiens, ça descend. Hop. Allez. Oh putain, il est loin. Ah, viens, on peut le faire descendre. Comment je... Attends, mais c'était quasi impossible de tous les avoir, là. Bon, bah, rip. Hein. Ah, si, on peut remonter. L'équivalent du chien dans Doom. Le caco. Meilleure peluche, ça. Ok. Ah, d'accord. Y a... Et là, il y a quoi? Y a rien du tout. Oula. Ça la dépop? On fait l'attaque rodéo là? Ah! Ça par contre, je savais pas ça. Oh putain! Non, putain, les cons! S'ils sont là, vite! Il a pas sauté, ce con. Dommage. Ah non, j'ai pas le Pinky. Non, non, c'est le... C'est le caco démon, ouais. Ouais, j'ai foiré le saut, là. C'est dommage. Après, un Pinky, je sais pas si ça existe en peluche. Plus en plus dur, accroche-toi. Ouais, bah ouais, j'imagine que là, on est passé au monde 2, forcément, ça va être
peu plus touchy. Oh, ça devrait... Je pense que ça devrait aller quand même, mais bon, on sait jamais quoi. Aïe. Donc, si je le fais de... Ah, bah ça... C'est tombé direct tout seul. Ouais, putain, par contre, voilà. Comment ça? On descend, je sais pas où t'es, là. Voilà. Putain, c'est deux fois que je me fais avoir. Putain, mais... Putain, mais je suis de la merde. Il m'en reste un. Comment j'ai fait tout à l'heure? Putain, j'ai fait haut. Ça fait une attaque rodéo, quoi. C'est énorme. Allez, c'est bon. Bon, c'est rip pour les étoiles. Ça, c'est sûr. Bon, ça, ça servait à rien, je pense. Je crois pas que j'avais vu de pièces rouges. Ça, je passe, ça, je bouffe. Putain, je fais le con là. Oh, il y a le trou là. Putain, c'est chaud à choper. Tous les choper d'un coup là. Putain, les étoiles suicidaires quoi. Non, ça, tu dégages. Non, trop tard. Waouh! Ah, bon. N'empêche, ça, c'est un truc qu'ils avaient changé dans les Yoshi suivants. Parce que pour faire le 100% d'un niveau, t'étais pas obligé d'avoir tout, absolument. Ah bah tiens, il y avait une clé apparemment. D'avoir tout sur une run, quoi. Tu pouvais faire une run les fleurs, une run les pièces rouges. Ça se cumulait, quoi. Enfin, au niveau des choses à collecter, quoi. Si tu prends 5, par exemple 15 pièces et que la run d'après t'en prends que 5, ça marche pas, quoi. Bon là, je me suis bien chié là sur les pièces rouges. C'est dommage. Merde, dans le niveau, tu pourras réessayer avec le chien. Ah oui, merde, en bas, là. Ah merde, j'ai pas lu. Quoi, gagner l'objet représenté. Merde, j'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Choisir au pif, aussi, hein. Bon, bah, apparemment, j'ai perdu. Ah d'accord, fallait... Ouais, bah, écoute, ça, c'est vraiment de la pure chance, ça. Il va pas refaire ce que tu as déjà validé dans un niveau. T'es sûr? T'es sûr qu'il faut pas tout refaire? Moi, j'avais lu ça, quoi. Pour faire un niveau à 100%, t'es obligé d'avoir vraiment les 5 pièces, les fleurs... Enfin, les 5 pièces, enfin, les 20 pièces. Tout, quoi. Frapper le nuage haut, ça doit être ça. Avec un œuf qui prendra la direction indiquée par la flèche. Ah, d'accord, c'est ce truc au-dessus. Je sais pas ce que c'est, hein. Je sais pas ce que ça fait, là, ce... Putain, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a shooté le tuto, quoi. Alors, ça fait quoi, cette merde? Bon, ça se tue comment? Comme ça, j'imagine. Ça se fait quoi si je saute dessus? C'est quoi, ça? Ah, d'accord, ça baisse. Je sais pas, je verrai de toute façon quand je les referai, quoi, mais moi j'avais lu qu'il fallait tout faire. Ton meilleur score reste, mais tu es bien obligé de faire une run parfaite. Ouais, c'est ça que j'avais lu, quoi, que t'es obligé vraiment de tout avoir si tu veux valider. Oh putain. Comme il faut, quoi. Ça se shoot, ça. Ah, d'accord. Ça... Tu l'immobilises, quoi, mais ça le tue pas. Oh putain.
peux me faire toucher, j'espère. Non, c'est bon. Pas de secret. Je vais pas prendre la bonne direction. Bon, ok, il m'oblige. Ah, il y a une étoile. Pour le Super Mario, là, le Mario costaud. Rien là, c'est quoi cet espace super grand, mais... Ah mais c'est pour le bébé Mario ça. Faut qu'il court sur les murs là. Putain. Là y'a quoi? J'ai l'impression qu'on peut taper ces poteaux là. Tu me dis quoi de beau, toi? Touche une super table, ok. C'est... Ils expliquent le Mario costaud, là. Attends, je vais aller là, d'abord. De toute façon, c'est en bas, l'étoile. Merde, si. Ouais, c'est ça. Et puis là, faut tracer, hein. Quoi? Pourquoi il a lâché? Je sais pas où il faut aller. Putain, il avait lâché tout seul ce con. Oh putain, bon vas-y, descends, c'est pas grave. C'est bon là? Je pense que c'est bon. C'était vraiment pour sauter ses pics. Oh le con. D'accord, il me renvoie mes... énormes. En tout cas, il est vraiment plaisant à jouer, hein. Il est très maniable. Bon, faut s'y faire quand même à certains sauts là de Yoshi. Ah, attends, ça fait quoi si je fais ça là? Je pense que ça fait de la merde, mais. En même temps, comment je le chope là? Je suis en train de cramer tous mes œufs. Attends, c'est réapparu là ou... D'accord, bah, fallait juste faire ça. Je crois qu'il fallait se servir du gars. Moi. Ah. Pastèque glacée. Qu'est-ce que je crache? Je vois même pas ce que je crachais quoi. C'est un souffle de glace mais je le voyais pas quoi. Il y a une petite saccade quand on change justement, quand on rentre à l'intérieur là de ces endroits là. Enfin saccade. Et donc ça casse un peu le rythme. Des pépins de pastèque. Ça mais là c'était bien de glace quoi. Alors, ici, on a quoi? Apparemment, là il y a un truc. Ok, une fleur. Ah, c'est chiant parce que ça t'arrête dans le saut, enfin, un peu perturbant. Putain, il m'a fait peur ce con. Ah, bien joué. Putain, le snipe quoi. Ah non, putain, je perds mes étoiles. Ah, mais il me pique mes œufs, c'est con. Putain, je. Je tombe sur tous les pièges, quoi, tous les 2 mètres. Putain, saleté. Et je peux pas le récupérer comme ça, là. Toi, tu dégages. Putain, c'est de la saleté, là, c'est rat, là. Oh putain. Ah oui, forcément, quoi. Je peux plus donner de coups de langue. Ah ça y est, je peux y bouffer maintenant. Pourquoi il me dit en bas gauche alors que je peux pas là?
Bon, c'était un peu la cata. Hein. Salut Axa Enigma, tu as différentes pastèques dans le jeu, elles ont certains effets selon la couleur. D'accord, donc là pour l'instant on a vu la classique, la verte et la celle de glace, il y aura peut-être celle de feu. Ah, la taupe. Et salut Ceslan. Comment va? Oh c'est bizarre, ils sont rouges mais... Ah, il y a des pièces qui sont rouges mais qui sont pas des vraies pièces rouges. Ça c'est un peu chier ça. Vite, non, on te retourne pas. Voilà. Oh non, il y a encore les rats là. Oh putain, il avait un masque. Ouais, bon, enfin bon, ça, les étoiles, je crois que c'est un peu mort pour ce niveau. Oh. Je pensais pas que c'était possible ça. Comme il me les chope lui, dégage. Ah, encore. Ça, attends. Hop. C'est un tir, un nombre de tirs limité, hein, je peux le garder. Hein. Pendant un bon moment. Ok, ça c'est. C'est toujours bien. Putain. Précision zéro. Balade un peu, hein, je sais pas trop. Ah, non, lui il a une tête de mort. Il a un crâne sur la gueule. Je me balade un peu. Même si bon. J'aurais pas les étoiles ou autre, c'est pas la peine que je continue à collecter quoi. Il me dit quoi toi? Vous savez déjà, alors faites tomber un œuf dans la tulipe pour gagner des étoiles, des pièces, vous pouvez y projeter un ennemi. Ah! Maintenant, oh, enfoncé. Ah, d'accord, avec un ennemi ça marche quoi. Ah, c'est marrant ça. Je savais pas ça. Hop, salut Shazam. Ouais, très bon jeu pour l'instant, mais il se peut qu'à un moment donné. Je commence à jouer n'importe comment et à trouver que c'est un jeu de merde quoi. Bon, je pense pas quoi, mais. Oh putain, non! Mais putain, vas-y! J'arrive pas à trouver l'angle. Ah merde, j'en ai plus. Putain, c'est relou! Faut des rats là. Chance. Par en dessous alors. Oh putain. Oh j'y arrive pas. Ça me saoule, ça me paraît pourtant. Ça a l'air de passer comme ça mais. De toute façon ouais, je verrai de mon côté quoi. De toute façon j'ai pas tout, j'ai pas toutes les pièces. Et salut Dark Steph. Il y a du monde ce soir quand même. Après c'est Mario, je suis pas étonné. Ouais, il me manquait une pièce donc c'est bon, pas de regret pour la fleur. Et les étoiles c'était pas ça de toute façon. Ah j'ai quand même un peu de boulot à faire là. Entre deux lives là. J'aurais un peu de boulot quoi. Ah ouais, il est magnifique, c'est clair. Très coloré et puis bon, le rendu quoi. C'est... Ce côté crayonné, moi franchement, je trouve ça vraiment très beau, quoi. Quoi? J'ai pris quoi, là? J'ai... Ah, y'en a un qui m'a eu dans le dos, là? D'accord. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Pourquoi ça apparaît pas, là? Est-ce qu'il y a des trucs cachés, là, dans... Ah oui. Donc il y a des trucs cachés dans les blocs. C'était bizarre le...
avait un son, mais il n'y avait rien. Bon, j'arrive à faire des œufs avec des fantômes, quoi. Putain. Ils attaquent de partout, quoi. Je vais le rater. Trop tard. Attends, je crois qu'il y a des pièces rouges là. Ah non, il y avait ça. Je fais gaffe parce que dès que je me retourne, en fait, il y en a un qui me fonce dessus à gauche, quoi. Des fourbes, hein, ceux-là. Pour l'instant, je sais pas si j'ai l'air d'être assez bien là. Pour les choses à collecter, bon, à part peut-être les étoiles, hein, où j'ai pris un peu trop de coups. Oh putain, ça continue quoi. Y'a pas un petit truc là? Non, que dalle. Putain, mais rentre! C'est très dur, ouais, bah j'y vois, ouais, c'est clair. Yoshi, Woolly World sur Wii U. Bah ouais, celui-là, je l'avais beaucoup aimé quoi. Je l'avais trouvé bien sympa quoi. Ça, ça doit être un spot à ennemi ça. Vous pouvez détruire avec un œuf. Oui, bon, ils font des rappels. Oh, marrant le tracé. Peut-être pas grand chose finalement là-dedans. Un peu la flemme de tout péter là. J'ai pas vu s'il y avait une pièce rouge, s'il est au-dessus. Donc j'ai toutes les étoiles. Putain, il a fait un demi-tour. Quoi, tout ça pour une pièce? Quand même mieux ça. C'est un trou ça ou c'est la suite? J'ai pas confiance là. J'ai pas l'impression qu'il y a 50 000 chemins là. Suite. Ah d'accord. C'est bon. Il n'y avait pas d'autres étoiles par moi, c'est bon. Ah salut Cyril Ayers 61. Comment ça va? SNES c'est de la balle sympa ce jeu. Super Mario Bros sur SNES, en top, mais celui-ci avec Yoshi est clairement cool et exploite bien la console. C'est pas comparable, pas la même plateforme, bien qu'il soit très bien. Ouais, bah c'est sûr, on peut pas comparer les deux, il y a une différence d'âge. Et très bon boulot hein, pour les Yarkun Fu que t'as fait là, avec les décors de fond, tout ça. On a vu ça chez. Bah, c'est Winyard qui avait montré ça hier pour les news. Les news de la semaine, et puis j'ai vu ça aussi chez Dark Steph, Tarodius aussi l'avait montré. Vraiment sympa quoi. Je sais pas comment t'as fait d'ailleurs, comment vous avez fait pour. Dire bah changer ça quoi, parce qu'il faut avoir le code. Enfin bon, ça c'est peut-être facile, hein, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même, mais en tout cas, propre quoi. Je sais pas pourquoi il y a un ennemi au-dessus là qui. Pourquoi il est placé là cet ennemi? Attends, je l'ai vu ça ou pas? Oui, une pastèque verte. Ah bah voilà, il parle des pastèques. Pour cracher les pépins, c'est vraiment fun. Attends, comme si c'était la première fois que je l'avais, quoi. Merci, Tudu, pour le subgift. Pour Ayers 61, bah, écoute, hein, vraiment... Qu'est-ce que je peux dire de plus, quoi? Merci beaucoup. C'est quoi, ça? Ah, c'est la taupe. Ah, il y a une... coincé. Ah oui, merde, putain, le con, j'ai peur. Zifo aussi. Ah oui, il l'a fait. Tout le monde a bien accueilli le remake. Après, c'est excellent. Moi, j'aimais bien ce jeu, quoi. À l'époque. Non, puis même les décors originaux ont été refaits, quoi. Ça, ils sont vraiment bien, quoi, maintenant.
Bon, j'ai toujours pas trouvé. Enfin, si, faut trouver un switch là pour faire apparaître les blocs. Je sais pas si je reviens en arrière là, mais. Je crois pas. Putain, c'est tout ce qui est. Si, bien, je suis revenu. Mais attends, avec le bébé Mario, y a rien à faire là, vraiment. Si, au-dessus là. Au-dessus, y'a la porte. Putain, mais saute plus haut. Voilà. Partie de ballon. Effectuer correctement la séquence dans le temps imparti et lancer le ballon à l'adversaire. Celui sur lequel le ballon crève est le perdant. Comment ça? Et en faire quoi? Ah d'accord. C'est... Oh non mais attends, c'est inversé les boutons là. Au secours. Alors attends, B c'est ça, Y, B, droite. Putain, ah oui non mais ça va être l'enfer pour moi quoi. Alors A... Non, c'est... Non, A, c'est ça. Et Y. Ok. Alors, je vais pas être bon à ça. Quoi. Alors, X, X. Et en fait, faut attendre que le ballon il gonfle jusqu'à où? C'est A. Attends, je vous lis après, parce que bon, là, je suis un peu en PLS. Oh, putain. Non. Bah ouais, mais... Faut que je convertisse dans ma tête. Que c'est en Xbox quoi. Un mode turbo, on s'est inspiré de SF2. Un truc accéléré pour des combo fights. Ah ouais non mais franchement. C'est du bien joué. Hein. Je sais pas depuis. En fait c'est arrivé comme ça en plus, j'étais pas du tout au courant que ça allait se faire. J'ai l'impression. Ah, peut-être que c'était indiqué sur un groupe Facebook ou autre. Mais ouais, c'était. Ça m'a surpris quoi. Je crois que c'est à droite, faut aller là. Ici, on y a été. On va reprendre ça. Et là, je sais pas, le switch, il est peut-être quelque part là dans ce bordel. C'est peut-être le monstre qui le. Ah non, d'accord, j'ai shooté le tuto là. Oh putain. J'ai envie de shooter l'ennemi là. J'y arrive pas. Non, y'a rien là. Ah d'accord, je croyais que il y aurait le switch. Ah putain, c'est casse-couille par contre. Allez. Non, mais j'ai oublié que c'était ça. Ah, c'est bon, ça peut être connu pour apporter du fun. Ah c'est cool. Bah là, tout à l'heure, je pense que quand j'aurai fini ce monde, enfin, si je mets un peu... Je vais un peu plus vite. Bon, on fera le Miss Input 2. J'avais fait le premier là dans une compile. Et qui m'avait beaucoup plu. Et puis bon, c'est le genre de jeu que j'adore quoi. Un peu la Super Meat Boy. Allez, vas-y, courage. J'ai envie de voir ce qu'ils ont fait sur le 2 quoi. Bon, il y a des trucs là, il y a des secrets que j'ai pas trouvé. Hein. Ah, c'est, ça a été montré en convention. Bien, surtout, on montre pas mal d'avancées sur des projets. Ah, j'y suis. Après, c'est Facebook, hein, parce que c'est Facebook, j'y vais vraiment très très peu maintenant, quoi. Enfin, depuis un moment. C'est pour ça que je suis pas trop l'actu. Mais d'accord, si c'est sur ce groupe, bah, faudrait que je fasse l'effort de voir un peu plus, quoi. Il est génial, Miss Input de bas, ça je... J'en doute pas, hein. Franchement, le premier était vraiment bon. Ah, ouais, ça y est, il y a les bouts. Oh, putain. Ils sont tout joyeux, là. Allez, pousse-toi, toi. Je sais pas si vous avez un Discord, c'est vrai que là je suivrai un peu plus quoi. C'est vrai que je suis passé plus Discord que Facebook en fait. J'ai jamais questionné ouais, si les groupes. Ce genre de groupe était passé sur Discord. Ah
merde. Ah ouais, d'accord. Je l'ai placé, mais c'est pour plus tard, quoi. Ah non, merde. Attends, ça se casse avec un œuf, sinon? Je peux pas faire de rodéo, là. Ah, je suis passé. J'ai vu un tuyau, là, je crois, au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, bon. La porte qui est en bas, je l'ai déjà pris ou pas? J'ai oublié. Je sais pas où je vais. Je cherche une clé d'abord. Ok, là il y a un switch. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. À la clé. Alors, heureusement que ça se bouffe ça. C'est d'où je viens la putain la porte, je sais plus. Le seul reproche, c'est les graphismes replay de Mario qui font un peu réchauffer. Du Mario World, ouais, c'est quand même changé un peu quoi. C'est pas exactement les mêmes sprites. Dans la porte avec la serrure, c'était pas en haut à gauche. Si, c'était. Hein. Oh putain, la hitbox dégueu! Oh putain, puis là je passe pas. Bah ouais, mais là je passe pas du tout maintenant. Oh, putain. Bon, vas-y, on avance. Oh le con, il est bloqué. Bon, c'est dead pour les étoiles. Sauf s'ils en fournissent plein sur la fin, mais ça m'étonnerait. Ok, bon, il n'y a plus rien. Ah oh bah ok, je reviens là. Quoique, attends, ils ont mis la caisse. Alors, il y a moyen de farmer ça? Ah non. Dommage. Ça y était ça? Oui, ça y était. Par contre, j'ai un doute pour la porte, hein. J'ai envie de la prendre. J'ai pas l'impression que je vienne de là. Ah non, non, je suis pas venu là, quoi. Putain, je me suis coincé. Bah ouais. Putain, mais c'est un troll cet endroit ou quoi là? Y a rien du tout. Ça se tue pas ça. Ah non. Ok, super. C'est quoi cet endroit là? Après Facebook c'est quand même plus on va dire sympa que Twitter. Enfin je veux dire on peut faire des posts un peu plus longs que 10 caractères quoi. Mais c'est juste que ouais les réseaux sociaux j'y vais beaucoup moins quoi depuis un moment parce que je suis plus trop là-dessus quoi. Attends mais ça me sert à quoi là vraiment là, d'avoir activé ça? À rien quoi. Je peux pas remonter de là, parce que j'ai la flemme là. Je suis obligé. Attends, faut que j'arrive à aller à ce switch au-dessus là, en fait. Faut que je refasse le tour et que j'active pas ce nuage, sinon. Comment j'y étais allé? Oui, c'était la porte avec la clé là. Ça, mais on va voir. À moins que je puisse ressortir, non, je peux pas ressortir. Donc, ok, on descend. Ça, on dégage. Et là, je peux passer. Ok.
Quoi que là j'ai eu... Non. Est-ce tu ça ou pas? Je sais pas. Je peux passer. Casse-toi. Ouais putain, il me faudra un autre truc pour avoir 30 étoiles là. Oh, attention. Rotation des flammes. Putain, ça va être chaud là. Ça one shot là. Alors, attendez, je vous lis un peu avant. Le complément de FIPO pour les fichiers pour accéder dessus. Une plateforme web pour le partage. D'accord. On va voir. On trouve un truc comment ça y est pour tout le monde. On va mettre le lien. Ouais, ça peut être cool. Ça va mal se passer, ça. Pas de bonus. Attends, on va aller, je sais pas quoi. Ça joue bien. On s'en fout, on avance. Une petite vie là, non? Bah merci pour le lien. Ok, j'ai... Oh putain, attends, j'ai tout là? Ah non, à part deux fleurs, putain, deux fleurs qui me manquent. C'est beaucoup quand même. J'aime pas trop ça là, parce que je sais pas trop quoi. Si on se pète la gueule quand ça tourne complètement. Ah ouais, non mais laisse tomber, j'ai raté deux fleurs quoi. Ah, ça va être un super bout. Mais là ça me dit rien du tout quoi. Bien sûr que l'autre bébé est au château de Bowser, mais ne crois pas qu'on va te le donner. Ah merde. Oh putain, attends. Attends. On va me placer. Faut l'avoir à cœur bon. Bon, ça va. Ah, fait chier. Où est-ce que j'ai raté ces fleurs là? C'est dommage. Ah merde, il y a Wizbot qui s'est énervé derrière. Comment ça se fait? Faire le permis à chaque fois. Ok, bah merci bien pour les liens. Ah, je savais pas que le permis c'était à faire à chaque fois quoi. D'accord. Bon bah au moins on le sait quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu débile quoi. Putain, comme si, je sais pas, tu laisses la permission de mettre un lien, mais le gars il va pas mettre un troll derrière quoi. Je sais pas. Putain, j'avance pas vite hein. Attention, Biloloto. Biloloto, ouais, c'est ça. De toute façon, je l'avais dit hein, que j'allais mettre un peu de temps sur ce jeu. Oh, il a qui tue, ils sont là. Ça, c'est nos potes, ça. Allez, voilà, toujours à nous faire chier. Mal. Quoi? Sans. J'aurais dû attendre. Bouffe. Ouais, déjà, ça dégage. Je trouve qu'il y a un secret là, je sais pas. Thank you.
Oh merde. Non. Oh putain. Vite. Mais en fait, tu peux pas. Enfin, je dois pouvoir, mais je sais pas. Je suis mal pris. Je voulais faire un escalier, mais. Non. Ah ouais, mais. Piège à con, ça. Oh! Putain. Ah, énorme! Il est calmé, le pote. Alors, excuse-moi, ouais, c'est vrai que je mets du temps parfois à regarder le chat. Mais différencier, ce serait juste un peu très chouette. Je suis sur émulateur là, je suis sur. Alors, c'est lequel? BSNES là, enfin le Core BSNES sur RetroArch. Et ça tourne plutôt bien quoi. Ce train peut suivre les rails qui sont tagués, accélérer avec Y, éviter les ennemis. Et également, je suis donc sur la version PAL, puisque c'est en français tout ça, mais j'ai patché la ROM pour que ça soit en NTSC, en 60 Hz. Donc voilà, ça c'est très bien quoi. Ah putain, c'est ça les rails. Unfollow, bah arrête tes conneries, Million, bah, merde. Oh, tiens, des pièces. Je sais pas si l'ennemi. Il doit m'agresser là, celui qui court après là. Même si c'est qu'un dessin, merde! Il se reprend pas? Ah, mais là, c'est RIP là. Quoique, peut-être pas. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de se recharger ou je sais quoi là. Oh merde, ils sont deux. Putain, mais y a aucune pièce rouge en fait. Ça, je prends. J'y vais quand même dans le doute. Aïe aïe aïe, il y a du peuple. Ah ouais, c'est clair. C'est clair que c'est cool d'avoir en 60 Hz. Enfin, tu le sens, maintenant je le sens quoi, la différence quoi. Quand j'étais petit, non, mais. On avait que ça quand on était petit en même temps. Ouais, c'est bon, il a retrouvé son pote, là il est heureux. Ça dépend des jeux, ça. Quand même beaucoup de jeux en 50 Hz qui étaient lents, quoi. Allez, on connaît pas beaucoup qui étaient bien adaptés. Putain, il allait se barrer, je sens. Là. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai essayé la version PAL et je trouvais que c'était. Bah, c'était moins fluide que là, quoi. De toute façon, sur le site, bon, je mettrai sur la rediff, hein, puisque là, j'ai pas le lien là. Attendez. Ok, c'est bon. Je vais quand même me dépêcher. Putain, il a glissé. Mais sur le lien où je mets qu'il y a donc des patchs pour les ROM en PAL, pour les mettre en NTSC, il y a certains jeux où c'est indiqué que il n'y a pas besoin parce que c'était déjà opti sur la version PAL. Quoi. Mais il y en a pas tant que ça, quoi. Hein? Ah, quand tu meurs, tu perds pas tes étoiles? J'ai même pas fait gaffe. Non, 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 putain. Putain, fuck, je l'ai pas eu.
besoin d'œufs là. On s'en balançait partout, j'en ai plus. Parce que c'est que ça là. Putain. Non, putain, mais à cause de l'autre con là. Descends. Parce que c'est que ce monstre. Putain, il pop dans le dos là. Casse-toi, voilà. Ah, mais le nuage est parti. Ouais, bon, du coup, ouais, c'est mort. Bon, du coup, c'est mort aussi pour les étoiles. À moins que... Non. Putain, mais il y en a combien, là? Ouais, non, c'est mort. Il me manque des pièces rouges, ça c'est sûr, au moins une. J'ai un bonnet qui ont des jeux nerveux. Et dans beaucoup de jeux, le bébé Mario, à part celui-là et MK. Non, non, je suis pas tout ce soir, Starfy. Je sais pas, Totor. Je crois pas que je le vois ailleurs que sur. Ouais, Mario Kart. Et... Il y a pas d'autres matchs? Je crois pas. Hein, mais... Il y est peut-être dans un. Tu sais, dans un Mario RPG là. Peut-être une apparition ou un truc comme ça. Objet à gagner. Oui, alors retourner une carte. Ok, c'était le truc de tout à l'heure. Non, alors peut-être en soutien. Peut-être en soutien dans ce match. Voilà, donc là j'ai gagné une carte. Alors ça, je savais même pas. Que je peux utiliser dans les niveaux. Alors pauvre, je sais pas, ça va éclater tous les ennemis à l'écran, j'imagine. Ouais, il y en a une tonne, ça m'étonnerait pas qu'il y soit, quoi. Ouais, voilà. Donc là, j'ai la carte en bas. Mario Superstar, tu switches entre Mario Luigi et leur version bébé. Ouais, c'est bien ce que je pensais, qu'on les voyait, quoi. D'ailleurs, c'est très très bon, hein, les Mario RPG comme ça. Il y en a plus depuis la version 3DS, non? Sur Switch, bon, bah, il y a eu le... De Paper Mario qui est très très bon là, le Origami King là, je crois que c'est ça le titre. Là je l'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus c'est revenu vraiment façon RPG alors que le... Enfin j'ai pas fait celui sur Wii U mais celui sur 3DS là avec les stickers. Celui-là je l'ai pas aimé du tout. Hein. Je trouvais que se combattre ça servait à rien quoi. Ça apportait rien de se combattre à part perdre ses stickers. Donc, je voyais pas l'intérêt du jeu à force quoi. Paper Mario, je sais pas, l'humour en plus un peu décalé dans le dernier, enfin, j'aime beaucoup, quoi. Alors, attends. Je pouvais pas aller plus haut? Ah non. Porte, allons-y, ouais. Je fais celui sur la Wii. Ah, le Super Paper Mario, avec un côté un peu plateforme. Celui-là aussi, je l'avais fait. Alors, je m'en rappelle plus trop, mais il était bien. J'avais bien aimé. J'avais également fait celui sur GameCube, là. La porte du millénaire, quelque chose comme ça, qui était très très bon. Et j'ai plus de souvenirs aussi, mais il était très bien. Il était dur, hein. Je crois que le boss final, j'en avais bien chié. Et j'ai pas fait le 64. Enfin, ouais, le Paper Mario sur Nintendo 64. Mais il manque le Color Splash là, à faire sur Wii U. Non, faut pas le faire bout portant. À chaque fois, je fais la connerie. Ok, donc là, il y a une porte. Ah putain. Ah, fais chier. Ok, les canons... on peut rien en faire, quoi. Regardez en bas. Ouh, j'ai vu une serrure. Merde, dommage. Oh putain. C'est dead là. Non, c'est bon.
Il y avait une fleur là au-dessus, non? Ah, ok. Ah, c'est ça. Ah là, faut que je trouve une clé. Putain, je l'ai même pas vu. Oh, il est carrément dans le brouillard, là. Là, je suis en train de revenir en arrière. Merde. Je peux pas aller plus haut. Après, je sais pas trop où aller, en fait. Ça, c'est le début. Ah putain, bon, faut que je trouve un ennemi pour pouvoir faire un œuf. Sauf que là, ils sont ultra bien placés, c'est con. Donc, je sais pas si l'autre il a repop là, celui de gauche. Si, hop, je le prends. Merde, je crois que c'était la clé. Bon bah, tant pis. Je sais pas où aller. Pop pop. Et puis Mario 64 est sympa. Ah ouais, faudrait que je me le fasse. Genre, il y a des jeux hein, de façon que même sur 64 que j'aimerais faire, comme le Donkey Kong 64. On me l'a beaucoup conseillé celui-là. Je pense qu'il pourrait me plaire. Comme les Banjo-Kazooie, hein, j'en ai fait aucun alors que j'ai fait comment il s'appelle le dernier qui est sorti, Yooka-Laylee là, voilà c'est ça. Alors j'ai fait les deux, hein. Il y a le premier qui ressemble vraiment à du coup à Yooka-Laylee, l'autre la Banjo-Kazooie, et le deuxième qui est plus Donkey Kong Country sur le pour le coup. Mais le premier je l'avais bien aimé, même si les mondes étaient un peu trop grands. Sur le premier monde, tu mets 15 ans pour le finir. Putain, merde. Mais ils sont très sympas, quoi. Alors, je sais pas si je prononce bien les noms, hein. Mais je pense que vous m'avez compris. Non, non. Putain, je crois qu'il va me faire tomber, ce con. Joli décor encore. Attends, j'ai compris la strat. Ouais, bon, en tout cas, j'aurais du boulot à faire. Hein. Là, là, j'ai pas toutes les fleurs. C'est vrai que pour le 100%, je vais pas m'ennuyer, quoi. Quand t'as découvert ça récemment, je trouvais ça pas terrible. Ça a mal vieilli. Ah ouais? Ah, moi, le côté où, ouais, faut tout collecter, c'est ça qui pourrait me plaire, quoi. Appuyez sur le bouton pour arrêter un tambour. Faites fortune. Attends, c'est un nouveau mini-jeu, ça? Ah, bah, ok. La roulette. Ah, bah, évidemment, hein, j'ai visé, hein. Oh, c'était chance. Allez, l'avant-dernier niveau. Plus long, hein, en tout cas, ce monde. Hein. Même si... Bon, je crois... Oh, putain, le... Oh, énorme. C'était bien gros, l'autre, là. Ça fait quoi, cet œuf? Il est énorme, quoi. Encore, c'est con, là. Dessus, je t'ai vu. Ah non mais c'est clair, je pense que pour faire un 100% sur Banjo-Kazooie, voilà, tu le fais pas en 10 minutes quoi. Hein ?
vais l'activer tout de suite. Putain, vite. Pourquoi il est doré lui? Merde. Non! Bon, j'ai tout raté là. Attends, avant d'y aller. Putain, les beatballs verts là. Magnifique. Ah mais non, ça devait être juste les pièces. Je pensais que ça allait m'indiquer une sortie secrète. Ouais, du coup, je peux pas le faire réapparaître, putain, mais... Ouais, c'est chaud, hein. Franchement, faire... tout faire dans le niveau en découverte, c'est quasi impossible, quoi. Bah... Ah. Ah merde, dommage, les étoiles. Attends, fais voir. Toi, j'ai vraiment bien aimé, surtout le challenge pour tout récolter. Des heures et des heures de jeu, ouais, c'est ça. Tout collector, il y a du boulot. Ah non, tout collector, oui, non, je l'avais vu le message. Quand t'as un œuf en main, si tu le poses, tu changes d'œuf. Comment ça? Quand tu le poses? Le roi des collectibles, c'est DK64, promis. Putain. Attends, comment tu le poses? Ah, tu veux dire que quand. Quand j'annule le tir, en fait, je passe à l'œuf suivant. T'es les speed là-haut, là. Hop. Ah merde, je crois que ça se détruisait, ça. Ah, c'est con, je peux pas aller prendre cela. Vite, lui, peut-être. Oui, je dois pouvoir. Attends, voyons. J'ai pas l'impression que... Ah si. Ah si, je passe au suivant. Effectivement. T'as raison. Merci. Ouais, c'était pas évident à voir, parce que j'avais les mêmes couleurs, là, mais... Ah mais c'est ça, c'est cool à savoir ça. Comme ça quand j'ai des œufs là clignotants là, ça peut être tu peux l'utiliser au bon moment quoi. Putain, par contre ça me prend plus de slot là d'avoir des œufs aussi énormes. Ah, alors attends. Ah par contre les gros, ah ok, ça tue ce genre d'ennemis. Hein. D'habitude ça les pousse. Ça one shot les boss, parce que ça je veux bien le garder jusqu'à la fin quoi. Ah il y a encore l'autre qui clignote là. Ah mais d'accord, j'atterris là. Ah je suis de l'autre côté, oh, j'ai la flemme de refaire quoi. On va continuer. Oh merde, ça tombe. Ah, il y a peut-être un truc au-dessus. Bon, ça, au moins... Je manque pas de vie, hein. Pour le moment. Ah, ouais, enfin, je pense que j'ai raté... L'ennemi clignotant, ça devait être une pièce, hein, je pense. Si c'est comme les œufs. Intérêt que je fasse ça, enfin oui je trouve des pièces quand même, mais bon. Oh putain ça va être long ça. Est-ce qu'il y a un intérêt que je le fasse en entier quoi? Ah oui, si quand même. Alors, attends, non, ça je vais le garder. Ah bah une vie. Ça faisait longtemps. Oh bien. Ah bah non, c'est un œuf rouge. Faut que je le tue. Je suis en train de skip tout le niveau là. Tu choisis. Bon, troisième. Ok, c'était le plus pourri. Magnifique. Ok, j'ai toutes les étoiles.
faut pas être loin quand même là. Ah non, 13. Ah non, c'est que deux fleurs. Ah oui, non, non, en fait, non. Non, non, je suis pas du tout bien avancé là. Ah, désolé, tu te jures hein, pour les tremblements. Faut que j'aille en bas ou quoi? Putain. Oh, énorme. Oh, c'est pété, hein, les œufs. Oh le con! Putain, puis tout ça pour ça quoi. Bon. C'est forcé que j'ai oublié des trucs. Hein. Ah, c'est un nouveau truc ça, non? Savez-vous conduire une voiture? Fastoche, en jambant les ennemis en appuyant sur B. Ah, c'est Bumbo, on l'a pas vu ça encore. Oh, énorme. Bon, tant pis, j'ai pas eu la vie. Oh putain, il manque de fleurs. Bon, après, quand je le ferai de mon côté, bon, j'essaierai un coup, mais si vraiment je galère à trouver les trucs, je m'aiderai d'un guide, hein, parce que bon, j'ai peur que ça soit trop planqué, quoi, aussi. Et bon, si je dois faire ça entre deux sessions, enfin, deux lives, faut pas que je traîne non plus, hein, et j'aurai pas forcément le temps vraiment pour réussir... comme il faut quoi. Château de Pouspeau. C'était fin de save state d'ailleurs, la pause, car si ça se trouve là. D'accord. Attends, déjà je vais en faire une là, tu m'as inquiété là. Mais ça marche, ouais, je ferai comme ça. Ah, c'est un peu chier quand même quand. Si t'enlèves toutes les vies que t'as gagné, t'as durement gagné. Ouais, j'ai vu le one-up. Enfin, en même temps, j'ai rien pour balancer. Je sais pas si ça... Non, ça doit pas one-shot, là, ces boules de feu. C'est possible, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas quand je l'avais fait, pourtant je l'ai fait en plusieurs fois. Par contre, oui, il y a certains jeux, je m'en rappelle, où... Ça, c'était comme ça, quand tu reprenais ta sauvegarde, tu te retrouvais à 3 vies, quoi. Tu vois que ça trash talk s'il sangle le temps que j'aille fumer. Hein? Où ça? Y a quelqu'un qui a parlé de Silksong? Moi je veux bien des infos là-dessus. Hein. Y a plus rien. On sait plus où ça en est, ça. Putain, ça sert à rien ce que je fais. Je crois que ça rebondit, ça change de sens. Ouais, c'est bon. Ou alors t'as lu des news qui viennent de se paraître quoi. Attends, Totor, quel moment il a parlé de... J'essaie de trouver le message. Attends, voilà, voilà, c'est bon. Je vais aller en haut à gauche là, j'avais vu qu'il y avait un truc. Je vois pas son message là-dessus.
Ah, mais on peut accélérer! Ah, il bloque. Ouais, je vois pas de pièces rouges en bas. Donc j'ai eu l'essentiel. Non, par contre, ce serait bien quand même qu'il y ait des nouvelles hein, sur Silksong. Cette année, quoi. Petite news. Comme j'aimerais bien avoir des infos également sur le jeu. Fait par Shovel Knight là, Mina, je sais plus quoi, The Hollower, un truc comme ça. Bien savoir où ils en sont, parce que putain celui-là je l'attends aussi. Ah bah ça a dû être un vieux message, alors je le vois pas. Ah, c'est le truc l'arlésienne. Ah bah d'accord, mais c'est que je vois pas plus haut alors. Mais j'ai pas dû voir ce message là. Si vous lancez un œuf, arrêtez le viseur. Bon, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Ah oui, donc c'est pour là-haut, là. Ouais, c'est censé sortir, mais putain... Et en fait, tu l'as essayé le Cooksurf Forever? Il y a une démo là qui est sortie, enfin vraiment c'est une démo très alpha quoi. Mais du coup, moi c'est... Le problème c'est que... c'est pas ce que j'attendais quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle Forever et non Delicious 4. Attends, mais elle est où cette clé là? Je te laisserai voir alors. Mais le gameplay, c'est pas ce qui m'intéresse quoi. Hélas. J'étais pas allé en bas aussi. Ah, bonne nuit Starpy. Merci. Merci d'être passé, excuse-moi, j'avais pas vu. Et à une prochaine. Oh putain, oh le troll. Il y a des fausses fleurs. C'est énorme. Putain, mais non. Saute. Je vais voir ce qu'il y a là. Hein? Ah mais on peut s'enfoncer dans... Attends mais ça se pète ou non? Ça sert à quoi? À rien. D'accord. Okay, très bien, c'est rouge ça. Non. Faut péter, ok, c'est la clé là. Bon, tu verras, hein, ça va pas te prendre longtemps la démo, hein, c'est très très court. Je crois même que c'est infini en fait, mais c'est dommage quoi. Mais après, je suis allé voir sur leur Discord quoi, enfin, ce qu'en disait le dev, tout ça, et il disait vraiment que fallait pas le prendre pour un Cooksurf Delicious. Donc c'est un autre gameplay quoi. Ça m'agace un peu parce qu'il y a plus côté recette que je trouvais excellent dans les précédents quoi. Enfin il y a toujours une recette mais c'est la façon de la faire qui me convient pas quoi. Après t'aimeras peut-être hein, mais je pense que tu seras du même avis quoi. Allez c'est bon. Putain les niveaux d'obscurité hein, c'est pas à moitié quoi. Putain mais c'est labyrinthique là, c'est quoi ce bordel là? Ok bon ça déjà c'est cool. Tomber pour ce qui est à récupérer. Tiens, on va aller voir là. Putain, cette musique de victoire. Genre, c'est un exploit là, ce que j'ai fait quoi.
qui est quoi de beau, toi? Prenez garde, merde, je peux le... Dangereuse, vous enverrons plus de vie. Cependant, vous pouvez les détruire avec un œuf. Bon, il doit parler des blocs de glace, là. Ça les pète un par un, quoi. Hop. Oh, bien joué. Oh putain, je fais comment là? Attends, j'espère que ça repop. À doser ce truc. Mon petit secret, ah non, ah non, il y a les cons là. Oh putain, ils sont plusieurs. Je sais plus ce qu'ils font eux, mais je crois qu'ils te dépouillent, non? Ah non, ah, ils volent carrément le Mario, quoi. Putain, mais ils volent. Là. Putain, ils sont horribles. On peut les tuer. Alors attends. Lâche. Putain mais... Ah là, merci. Insupportable. Y'a rien. Putain, c'est chiant ce switch là qui te fait une pause là. Ah, y'a la clé là. Ouais, bon, j'ai toutes les pièces rouges, mais bon. C'est plus les. Ah, vite, vite. Non, vite. C'est bon. C'est plus les étoiles là qui m'emmerdent. Bon, je crois que j'ai tout fait. Guitar Hero, oui, ça y est. Les mots sont dits, quoi. Non, mais le truc... Alors, je sais pas, tu viens d'essayer, là, ou c'est... T'as vu une vidéo, ou je sais pas. Parce que je veux pas trop te spoiler, quand même, comment c'est foutu, mais... ou pas? Attendez. Ça va être dur de passer de l'autre côté sans pousser un peu. Non, c'est bon. Ah d'accord, c'est juste pour des pièces. Ça c'était par les gars de Borderlands, tout s'explique. J'essaye, d'accord, bah tu vas voir. Écoute bien Yoshi, ce bébé est funeste à la famille Bowser. Alors donne-le-moi. C'est quoi, c'est le pot de fleurs qui... Ah. D'accord. Putain, il y a un trou là en plus. Ah mais faut le pousser. Non, oh, dégage toi le petit. Attention quand même. J'aime bien, il est inquiet là. Espèce de fantôme là. Ah, j'en ai fait tomber un. Putain, comme il galère le pauvre. Et hop. Énorme. Marrant, bon le boss est quand même vachement... Y'a pas de combat quoi, c'est juste pousser le truc. Mais l'idée est marrante quoi. Merci. Oh bah j'ai tout. Putain, je pensais pas. Bon bah c'est cool. Bon voilà, donc on va s'arrêter là pour ce jeu là ce soir. Et on fera donc bah, la suite prochainement, hein, je vous tiendrai au courant. Donc ce que je vais faire entre temps, donc, c'est de faire les niveaux que j'ai pas fait à 100, et puis donc la prochaine fois, on fera les extras des mondes 1 et 2, puis on continuera
partir du monde 3. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, quoi. Pour tout montrer, quoi. En tout cas, vraiment, vraiment bien comme jeu. Hein. Vraiment cool. Deuxième monde, il est quand même un peu plus long que le premier, hein, clairement. Et je pense que ça va être de plus en plus long. Mais bon, on verra ce que ça donne, quoi. Normalement, non, il y a 6 mondes. 6. Il y a 6 onglets. Et je ne crois pas qu'il y ait de monde caché, un monde spécial ou autre. Je me suis un peu renseigné là-dessus et apparemment non, ça s'arrête là, quoi. Après, il y a peut-être une surprise que j'ai pas vue. On verra, quoi, mais pour moi, il y a que 6 mondes, pas de plus, quoi. C'est pas comme le Mario World où t'as le Star Road, enfin tout le truc là dans les étoiles. Voilà, bah écoutez, on va aller sur la pause.